Eh bien, bonsoir à tous, ici de Ramenel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à avoir environ 30 millions de ressources, donc que ce soit de dilithium, tritanium ou par style, en 4 jours, tout simplement. Donc il faut savoir que c'est 4 jours complets, ce qui veut dire que moi j'étais en examen, donc forcément, quand tu es en examen, tu as peut-être selon les jours, surtout là, je venais de finir mes examens écrits. Voilà, en sortant des examens, je me suis dit. Voilà, pour la petite histoire, en fait, je me suis réveillé le matin, mon shield ne s'était pas mis, et je sais pas pourquoi il s'est pas mis, et donc on m'a raid la nuit. Donc j'avais plus aucune ressource. Donc je me suis dit, ça m'énerve, je vais raid tout le monde. À la base, j'étais parti pour 3 jours. Et finalement, ça s'est terminé en 4 parce que j'ai eu la motivation. Et au bout de ces 4 jours, j'ai pu avoir un total de 30 millions de ressources environ. Donc je vous mettrai maintenant les screens, histoire que vous puissiez voir combien, enfin, voilà, combien exactement j'ai pu gagner de ressources. Donc j'ai gagné exactement 28 934 320 ressources. Donc les 3 ressources de base. Et finalement. Alors, j'ai fini à la 36e place, si je me trompe pas, avec 105 millions de ressources, qui équivaut maintenant à la 41e place. Et sincèrement, gagner 30 millions de ressources en 4 jours, je suis pas peu fier de moi, sincèrement. Surtout qu'il faut savoir que j'ai qu'un Kumari, je vais montrer, j'ai qu'un Kumari qui est même pas à 200K quand je le sors de la base, il me semble. Il n'est pas encore à 200K. Je crois, ou peut-être juste parce que j'ai fait une amélioration justement. J'ai fait une amélioration. 201K 750. Donc oui, juste parce que je viens de finir une amélioration sur le Kumari. Et avec deux Envoys, vous pouvez voir que maintenant, comme il y a pas mal de temps, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je suis en train d'essayer d'avoir mon horizon. D'ailleurs, donc je ferai un petit bilan en fait de ces 4 jours. J'expliquerai ce que j'aurais pu améliorer et comment j'ai fait surtout. C'est dans la station, à chaque fois je me trompe. Donc j'ai pu débloquer l'horizon. Et c'est quand j'ai lancé la recherche que je me suis dit que j'ai totalement oublié le shipyard, donc le truc pour construire les vaisseaux, j'ai plus le nom en français. Et du coup il me faudra encore du cristal. Et d'ailleurs, il faut savoir que. Si maintenant j'ai encore autant de ressources alors que ça fait autant de temps que j'ai pas. Enfin, que j'ai voilà, justement eu ça à faire, j'ai fini quand? C'était, j'ai fini le 1er juin, on est le 12 juin. Donc en 12 jours, j'ai dépensé à peu près. Enfin, j'ai dépensé quasiment toutes mes ressources. Et entre deux, j'ai fait des events solo. Que j'en ai remporté 2, donc je vous mettrai les vidéos. Ça m'a beaucoup aidé, notamment l'event d'officier. J'ai pu remarquer quelque chose, c'est qu'ils ont changé la récompense par style. J'avais gagné 20 millions de par style et maintenant on n'en gagne plus que 1 million. Donc je suis bien content que la mise à jour se soit faite après que j'ai remporté cet event. D'ailleurs, en parlant de mise à jour, j'en parlerai peut-être après si la vidéo n'est pas trop longue. Donc le sujet principal, c'est comment est-ce que j'ai pu avoir toutes ces ressources. Donc c'est simple, on va dire. Quand je suis sorti de mon examen, je me suis dit qu'il fallait que je tape. Alors le premier jour, c'est un jour où on gagne pas mal de ressources. Pourquoi? Basiquement, j'ai pris peut-être 2 heures. Et j'ai scan à peu près, ouais, j'ai dû scan déjà tous les systèmes qui sont là. Tout cela. J'ai fait des repérages, ce qui veut dire que typiquement. Ici, il doit y avoir des ressources. Allons ici parce que c'est un système où il y a plein de ressources. Comme c'est un système fermé, je prends n'importe lequel avec un bouclier. Tac, là je vois qu'il a 4 millions. Donc ce que je faisais, c'est que j'en prenais peut-être 5. Je les screen. Voilà, donc je vais pas screen là maintenant. Mais je les screen. Et s'ils sont intéressants. Donc typiquement ici, je vais pas en screen parce que je sais que c'est un système qui est bien défendu. Voilà. Il y a une alliance ici. Itax, Itai, et puis c'est Itau, Itaw. Donc ça me sert à rien de TP ma base à côté. Mais typiquement, si je vais.
Bon, forcément, c'est compliqué à trouver, mais si je suis là, je prends n'importe quelle base avec bouclier, qui est assez intéressante, assez haut niveau, peut-être une 20. C'est pas assez intéressant, mais je vous laisse faire. Vous imaginez, voilà, tu trouves une base intéressante avec un bouclier, typiquement. Elle est 22. Bon, elle en vaut pas la peine, mais imaginons qu'il avait plus de par style. Je la screen, et qu'est-ce que je fais? Je la garde, et le soir, je vais regarder dans mes photos, et je regarde où elle était la base, et puis je retourne, voilà, taper la base. Ça, j'ai pu, comme ça, en 4 jours, j'ai pu trouver deux bases, comme ça. Ce qui veut dire que les personnes, en fait, n'avaient pas le réflexe de mettre le bouclier le soir, et ça m'a vraiment permis d'avoir des ressources, parce que forcément, la journée, ces bases, elles sont sous bouclier. Mais, en allant se coucher, parfois, il y en a, typiquement, j'avais tapé un ici, qui était bien blindé. Enfin, il était pas tant blindé que ça, il était juste là. Et chaque soir, je venais le voir parce qu'il avait à peu près 3 millions de chaque. Donc, chaque soir, je venais voir s'il était connecté. Et ensuite, au deuxième jour, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de regarder un peu dans les factions. Enfin, j'ai regardé dans les factions. Dans les factions, c'est beaucoup plus rapide. J'avais pas autant de motivation que le premier jour à regarder tout parce que ici, ben. Quasiment tous les systèmes sont pleins et quasiment toutes les planètes sont attaquables. Enfin, toutes les stations sont attaquables. Alors qu'ici, ben voilà, si je vois qu'il y a un niveau 28, même pas, je vais cliquer dessus parce que je sais qu'avec mon envoy, je passerai pas. Je sais que je passerai pas. Et là même, j'ai réussi à trouver cette base qui était ici. Je l'ai screen et forcément, je n'ai pas pu l'attaquer tout de suite. Mais voilà, troisième jour ensuite, j'ai décidé de faire tous les systèmes qui sont un peu plus bas. Voilà, ici, je sais que j'avais trouvé une bonne base qui était par là. C'était un GRF. Ça m'avait fait plaisir de le taper. Donc, toutes les bases qui sont là. De nouveau, j'ai screen. Et ce que je faisais, c'est que... C'est très important, mais justement... Ah, ouais, justement, ils ont changé tout ça. Chaque jour, il fallait bien aller dans le store. Acheter les jetons de relocalisation. Très, très important. Très, très important parce que vu que je faisais pas mal d'attaques par jour, je voulais pas perdre du temps à envoyer. Typiquement, si je suis là, je suis à hop là, mais s'il y a quelqu'un qui a peut-être bon, hop là, c'est quand même, je vais pas utiliser un jeton de relocalisation pour attaquer quelqu'un qui est dans un de ces systèmes parallèles. Mais typiquement, au début, j'étais à Oralera, enfin, non, j'étais à Gelvin quand j'avais commencé. Bah, si quelqu'un était à Pune. Et ben, normalement, dans ces circonstances, j'utiliserais pas de jeton de relocalisation. Mais là, vu que j'attaquais beaucoup et que j'avais pas envie de perdre de temps, j'allais utiliser un jeton de relocalisation. Donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment préparer. C'est quelque chose qu'on prépare. Voilà, il faut vraiment se dire qu'une semaine à l'avance. Personnellement, tous les jours, j'achète des jetons de relocalisation. Et là, ça fait un moment que je n'en ai pas utilisé. Basiquement, j'ai style 5 millions de ressources depuis la dernière fois. Donc là, j'ai 15 jetons de relocalisation. Donc si un jour vous voulez faire ça, ce que je peux vous conseiller, c'est de le faire en semaine. Typiquement, moi, comme j'étais en exa, ben, si quelqu'un oubliait en semaine de mettre son bouclier la journée, ça voulait souvent dire qu'il n'était pas connecté. Parce que ben, il était au travail. Donc c'est très très pratique de se dire ça. Le week-end à éviter, parce que la plupart du temps, les gens sont connectés. Un autre point que je peux vous conseiller, c'est de débloquer l'horizon vraiment de rush et de savoir que ça coûte beaucoup de cristal. Donc pour ça, vous pouvez, ben, ça forcément, le cristal qui est là, vous pouvez l'acheter, un 900 cristal, si vous voulez le miner et l'utiliser dans la raffinerie, sachant que vous gagnez à peu près, bon là je pourrais pas vous montrer parce que j'ai fait mes batch, comme ça qu'ils appellent ça, mon raffinage, mais ah bah je pourrais montrer depuis là, voilà. Mais basiquement, si vous voulez en avoir 900 et puis que vous en... Si vous en... Voilà, si t'en drop 32, parce qu'en faisant deux batchs à chaque fois, tu fais 900 divisé par 32, bah il te faut un mois pour réussir à avoir ton shipyard, typiquement. Enfin, ton shipyard, c'est ça. C'est les mêmes drops avec le cristal, donc... Attendre un mois pour avoir un potentiel horizon, ça vaut pas la peine. Donc utilise le latinium si t'en as. C'est pour ça que c'est très important de garder son latinium pour les bonnes améliorations. Ensuite,
Moi, ça fait un moment que je le dis, mais je veux essayer d'avoir l'horizon plus vite et le Kumari. Personnellement, les vaisseaux de faction, je vais pas me concentrer tout de suite dessus parce que. Voilà, en tant que niveau 26, et puis même quand je serai niveau. Ben, je peux les débloquer à partir du niveau 28, il me semble, les vaisseaux de faction. C'est pas quelque chose qui m'intéresse pour tout de suite parce que je sais que ça coûte trop cher. Si tu veux un vaisseau de faction, il faut dans tous les cas acheter les blueprints. Et pour avoir les blueprints, la plupart du temps, il faut payer. Donc en soi, si j'ai mon Kumari qui est bien up, je m'en fiche. Vraiment, je m'en fiche parce que. Voilà, j'ai déjà c'est un très bon vaisseau. Ah bah, le Mayflower, on peut l'avoir à partir du niveau 26. C'est intéressant ça. Je ne savais pas. Je pensais que c'était 28. Mais c'est le Saladin qu'on peut avoir à partir du niveau 28. Donc voilà, apparemment, je peux avoir le Mayflower. Mais déjà que j'ai de la peine à débloquer l'horizon, ça vaut pas la peine. Et l'horizon, pourquoi je vous conseillerais de faire ça? Voilà, si c'est. En fait, le fait de rush des ressources pendant quelques jours, c'est quelque chose que je peux vous conseiller quand vous arrivez au niveau, je dirais 20. 19-20. Pourquoi? Parce qu'à partir du niveau 19-20, tu peux mettre un envoy. Tu peux mettre un envoy à peu près full au niveau des améliorations. Et comme je l'avais déjà montré. Tu peux améliorer ton envoy dans les recherches qui sont. Je sais plus où, ça va être dans combat, à mon avis, ça va être dans combat. Qui sont ces trois là. Et ça, c'est très intéressant à faire à partir du niveau 20 qui soit déjà full parce que ben. Tu pourras taper plus facilement des stations. Et puis les stations à ce niveau là, elles sont faibles. Donc tu vas pas payer beaucoup en dépenses et puis tu pourras récupérer ton envoy directement car il sera en dessous des 5 minutes de réparation. Voilà, tu n'auras pas du 10 minutes d'attente où tu devras utiliser des boosts typiquement. Donc c'est super intéressant de faire ça au niveau 20 et bien sûr il faudrait un North Star ou que quelqu'un t'ouvre la base. Après le problème c'est quand le niveau 20 et 24 ça devient très compliqué. Kera, Vaklas, c'est des vaisseaux qui en valent pas la peine. Ça vaut pas la peine de les monter avec un pack. Si tu veux un bon vaisseau, attends le Kumari. Et en plus, il ouvre hyper bien les bases. Donc c'est pour ça que là, t'as vraiment un temps de latence énorme entre le niveau 20 et 24. Si t'as un bon North Star, ça va. Tu pourras être sans difficulté jusqu'au niveau 22, même si tu payes pas. Moi, j'ai pas... je vais vous montrer, j'ai un North Star qui est à 150k. Et j'ai absolument pas utilisé de pack pour mon North Star. Oh, il est à 145k. Ah, d'ailleurs... En parlant de ça, j'ai vu un commentaire que je n'arrive pas à retrouver, mais je ne sais plus qui c'était, parce que j'arrive pas à cliquer dessus, le commentaire, c'est comme s'il n'existait pas, mais je peux le voir, c'est, voilà, Omar, voilà, c'est Omar Warani, qui se reconnaîtra, qui a dit que finalement, si on mettait deux officiers, comme Stone et, comment il s'appelle, Cabot, je crois que c'est ça, Barot. Barot ensemble et notamment Tripping en plus, on peut encore plus booster son taux de minage. Et ça, je l'avais dit de pas faire, mais finalement, merci à lui parce que je m'étais trompé. C'est typiquement, t'as deux vaisseaux et qu'il y en a un qui, bah là, typiquement, bah là, il mine le gaz, donc j'ai seulement Tripping. Mais là, quand je vais miner du cristal, j'utilise Barot et Stone. Comme ça, j'augmente encore plus mon taux de minage. Très très intéressant. Donc voilà, basiquement j'aurais bien aimé faire ce rush avec autre chose que de l'envoy. Ben, tout simplement de l'horizon. Parce que ça m'aurait sauvé beaucoup de temps, surtout qu'il y a des bases qui prennent. Il y a des bases qui m'ont pris environ 45 minutes à vider. Parce que ben, une soute de 180k et une soute de 144k, comparé à un horizon qui a 600 400 soutes, ben voilà, il faut 4 horizons full, donc 144k, donc 150. Tu fais 4 fois 150k, ça te fait 600k. 4 envoy full pour combler un horizon full. C'est pour ça que vraiment je veux cet horizon qui arrive à beaucoup m'aider. Et typiquement, je sais qu'il y a des bases que j'aurais pu vider si j'avais un horizon, que je n'ai pas pu vider si j'avais, enfin comme j'avais des envoy, parce que la personne a eu le temps de se reconnecter. Parce que ça prend, bah tu prends 4 fois moins... tu vas 2-3 fois moins vite quoi avec ton horizon. Enfin tes envoy qu'avec un horizon. Et le problème c'est que même si j'étais allé pour 3 envoys,
Bon, en fait, avec les tournus, ça en vaut même pas la peine. Qu'est-ce que j'entends par tournus? C'est typiquement, si je veux attaquer lui, j'envoie mon envoy, je rappelle, je renvoie le deuxième. Et en fait, typiquement, bah, ça sert à rien d'avoir un troisième parce qu'il sera tout le temps en train d'attendre. Ça en vaudrait la peine d'avoir trois envoys si je veux attaquer quelqu'un qui est là. Mais comme je l'ai dit, j'ai utilisé beaucoup. Personne, ah non, j'ai utilisé beaucoup beaucoup de jetons de relocalisation pendant ce temps, donc voilà. L'horizon, c'est vraiment le vaisseau de minage par excellence, à mon avis. Bien sûr, après, il y a le Valklist, l'Antares, tout ça qui sont encore mieux, mais l'horizon, le jump de l'horizon à l'envoy, l'horizon que tu débloques au niveau 16, l'horizon à l'envoy, de l'envoy à l'horizon, l'envoy que tu débloques au niveau 16 et l'horizon que tu débloques au niveau 26. Bah, il y a forcément un gros jump et c'est quelque chose que j'aimerais bien vivre sous peu si je peux réussir à avoir mon cristal assez rare. Voilà, donc maintenant je voulais aussi parler de la mise à jour qui est assez temps. Je crois que ça fait voilà, seulement 15 minutes. Je voulais parler d'un point essentiel de la mise à jour qui est si on va dans les vaisseaux, on a trois nouveaux vaisseaux en quelque sorte qui sont. Bah, déjà, on a. Alors, c'était quoi? Ouais, y a beaucoup de vaisseaux. Hijack des trois classes, hijack USS Mayflower et hijack Legionary. C'est intéressant parce que justement, je me suis un peu renseigné et typiquement, moi je sais que je peux pas avoir le légionnaire, je peux pas avoir le des trois classes comme je suis 100% chez la Fédération. D'ailleurs, ils ont refait la boutique de faction. Très intéressant. C'est sincèrement, c'est la même en fait. Sauf que c'est mieux présenté, on va dire. C'est la même, hein, vraiment. Mais c'est mieux présenté. Donc voilà, on peut voir qu'ici, j'ai rien débloqué. Même les points les plus basiques. Et je les remis non plus. J'ai rien du tout. Il n'y a que chez les Augments, justement, où c'est en quelque sorte neutre. Puisqu'il n'a pas. Si on tape, typiquement, si on fait des missions, si on tape des hostiles, qui sont les trois autres factions, il n'y a aucun. Absolument aucun impact sur les Augments. Et c'est très intéressant parce que dans ces vaisseaux, ça sous-entend qu'on pourrait acheter ces vaisseaux depuis la boutique de faction des Augments. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que tu as d'abord ta boutique de faction de base, donc typiquement, moi, c'est la Fédération. Je sais qu'il y a encore des hauts niveaux qui run double faction, c'est-à-dire que ils ont par exemple la Fédération et les Romuliens, ou la Fédération les Klingons, les Romuliens les Klingons. En ami, voilà. Et la troisième faction est en ennemi, bien sûr. Avoir les trois factions alliées, c'est très compliqué. Deux, ça l'est déjà, mais trois, j'imagine même pas. Et ça sous-entend que typiquement, eux, ils pourraient acheter typiquement le Mayflower et le Legionary, et ensuite, grâce à la boutique de factions des augmentés, avoir le D3 classe. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que ça nous limitait au début à un seul vaisseau. Et maintenant on est. Enfin, typiquement, on peut avoir n'importe quel vaisseau depuis cette boutique de faction. Et certaines personnes pensent, et d'ailleurs je pense que c'est quelque chose qui va arriver sous peu, c'est qu'il va y avoir un event de faction augmentée à nouveau. Et c'est pour ça que il y a des personnes qui vont être gravement avantagées, parce que typiquement, moi, je sais qu'encore moi ça va aller, parce que j'ai continué d'acheter les améliorations dans la boutique de faction des augmentés. C'est pour ça que là, ben, comme je touche pas mon bot à Unibay, ben, forcément ça va être compliqué, mais typiquement voilà, j'ai le plutonium. Après je sais, je crois pas qu'il y ait encore du plutonium rare, mais voilà, typiquement s'il y a un event de faction chez les augmentés, je vais pouvoir augmenter mon bot à Unibay pour pouvoir, ben, ce sera probablement un event de minage, et cet event va probablement donner aux meilleurs joueurs des plans. Je sais pas si ça va être des trois vaisseaux, mais en tout cas un des trois vaisseaux. Donc c'est très très intéressant de la part de Scopely de faire en sorte qu'on puisse avoir un autre moyen d'avoir ces vaisseaux de faction. Donc c'est tout à peu près pour cette vidéo. Si je résume, l'horizon, c'est vraiment le vaisseau vers lequel il faut aller. Vraiment le vaisseau vers lequel il faut aller. Et d'ailleurs, si vous me voyez aller là en zone romulienne, c'est car il y a l'event. Que je dise pas n'importe quoi.
Ah d'ailleurs il finit dans 23 minutes. Ah non, c'est la bonne d'officier qui finit dans 23 minutes. Ah bah il finit aussi dans 23 minutes, il faut vite que je me dépêche de le faire. Et ici il me donne 6 de cristal, donc tous les jours je le fais pour avoir ces 6 de cristal. Aujourd'hui j'ai commencé, j'étais à 25 de cristal, je suis à 28. Maintenant j'en ai gagné 3 ce matin. Si je rajoute ces 6, je vais être à 34. Voilà, ça me fait une moyenne de 10 de cristal par jour, c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, comme j'ai dit, en lien avec la vidéo, si je peux faire un lien avec la vidéo précédente, minez tout le temps, parce que vous en aurez vraiment besoin. Tout le temps, faut miner tout le temps. Et faites bien gaffe à cet event de faction qui va probablement bientôt arriver pour les prochains, probablement pour les vaisseaux de faction, chez les augmentés. Et si je me trompe pas, les vaisseaux sont totalement les mêmes, c'est juste que les vaisseaux augmentés sont carrément plus beaux. Oh, j'espère que je vais pas me faire taper. Typiquement, je trouve que le Mayflower est vraiment, vraiment beau. Comparé au Mayflower de base de la Fédération. Ouais, vraiment, vraiment beau. Bon, je vous laisserai regarder les autres chez vous, mais c'est très clairement les mêmes stats, c'est juste qu'il y a un autre camouflage, en quelque sorte, sur ces vaisseaux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolé du retard, mais bon, avec les exas, c'est assez compliqué. Mais je les ai bien, j'ai bientôt fini. Donc, il y aura probablement plus de vidéos qui vont arriver. Voilà, c'était Daramenel sur Star Trek Fleet Command.